loin de toi, Seigneur. Je suis comme le vent, malgré toutes les circonstances et toutes les conséquences. M'apprends à prendre le temps, un peu de temps en temps, de me dire que tu es toujours là. Si loin de toi, Seigneur, je suis comme le à tous. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons ce matin. Que vous soyez une personne en quête de Dieu,
ou qui apprécient l'œuvre de notre Seigneur via le centre média adventiste. Et alors là, on te marurura, il te pas de fatu, on te ha pururuhia, il te te yene pu ha pururura a te etaritia. Ou encore membre de l'Église. Et alors là, et mero uton no te taritia. Nous souhaitons à chacun de vous la bienvenue. Te fata popo atunem matui uto te fari a oterfa. Vous savez, oui te uto. Nous servons un Dieu grand. Nous servons un Dieu puissant et fidèle. Aussi, nous voulons lui rendre hommage. Et bénir son saint nom. Par sa grâce, sa miséricorde, et ses bontés. Nous vous remercions d'avoir choisi le centre média adventiste pour adorer notre Dieu. Le sujet choisi pour aujourd'hui et la table des pains de proposition. Montira te amur am a o te pane no te aro. Ou bien la table des pains de face. Te amur am a o te pane no muamai. Pour rafraîchir nos souvenirs sur le tabernacle. No te fa hamanoya tatou inyeho i te prau no te tetene. Je vous propose d'entrer, de voir en image le lieu saint. E anivoi utou ia hio amui tatou i te prau no te tetene i te vahe moa. A bientôt. Le lieu saint, table des pains de proposition. Ce lieu saint était meublé du chandelier d'or, de l'autel des parfums et de la table des pains de proposition. La table des pains de face était faite de bois d'acacia et recouverte d'or pur. Elle avait une superficie de 1 x 0,5 mètres. 12 pains étaient placés sur la table le jour de sabbat et étaient remplacés le sabbat suivant. Le pain remplacé était mangé par la lignée des souverains sacrificateurs. Nous vous souhaitons une bonne étude. Le saint service dans le lieu saint. Te oruamoa, otomota venira, idotoite yetua te vahemoa. Était réalisé tous les jours. Evatopuhi atelirete mumhanatoa. D'abord, namuaro. La première chose qui faisait. Te epamatamoa otaratu etavera. Le sacrificateur était d'examiner chaque pain qui se trouvait sur la table. Te ye taua tana ohipa o te hi opua maite i te ye mupane o te vereniti amur amaa. Il y avait 12 pains au total. A huru mapiti pane i te taatoara. Et chaque pain et mupane tateta représentait chaque tribu. Ua fahuhu ohi aterira i na opu. Voilà pourquoi il y avait 12 sur la table. Te tumuia la table symbolise la communion. Le manger ensemble. Le souper ensemble. C'est la première fois dans la Bible que la table fait son apparition. Et
Et chaque jour, Et-t-m-m-hana-t-wa. Le sacrificateur examinait pour voir et hiopwa te taua itemopane no te hio s'il n'y avait pas de moisissure. Et aitane et ninamo. Et tous les sept jours, Et-m-m-hana-t-wa. Il s'alimentait de ses pains. Et amurato itene mopane. De la manière qu'il prenait soin du pain, qui représentait le peuple, les tribus, le peuple substandait le sacrificateur. Aujourd'hui, ce n'est pas différent de cela, n'est-ce pas? Les hommes de Dieu s'occupent des membres d'Église en priant pour l'Église, en jeûnant pour l'Église, en visitant les membres d'Église, en soutenant les malades, en soutenant les opprimés, en soutenant les veuves, en soutenant les familles endeuillées. Le fait d'examiner le pain pour détecter la moindre moisissure signifie prendre soin de l'Église. Le dirigeant qui aime Dieu examine comme il faut l'Église de Dieu pour détecter la moindre moisissure qui pourrait nuire à la vie spirituelle des membres. Chers amis, j'aimerais m'adresser aux responsables d'Église. Comment est l'Église dont vous avez la charge? Prenons-nous soin du troupeau que le Seigneur nous a confié? Est-elle tachetée de moisissures? Est-elle affectée par le péché? Chers amis, nous devons prier pour les responsables. Nous devons prier pour les leaders. Nous devons prier pour les pasteurs. Nous devons prier pour les ouvriers dans leur ministère respectif. Et donc, de la même manière, les hommes de Dieu s'occupaient du peuple. Le peuple répondait aux besoins des hommes de Dieu. Et de l'œuvre de Dieu à travers les dîmes, les offrandes et les dons. Alors, il y avait un échange qui se faisait. Les hommes de Dieu s'occupaient du peuple. Et le peuple de l'œuvre de Dieu. Prions, frères et sœurs. Prions pour la fidélité du peuple de Dieu. Que la maison de l'Éternel soit remplie de la dîme de Dieu.
Whareu Jehova i tanara tu ahuru. Prions pour la générosité du peuple de Dieu. Purean no te ahurua o te puputa to te atua. Que les offrandes arrivent pour la gloire de Dieu. Yenenete i mauo i tamei no te fahanhana i te atua. Prions pour les dons. Purean no te motau ahurua. Afin que l'œuvre de Dieu progresse à grands pas. Yenenete i pate atua yenu fiti fiti. Une deuxième leçon que j'aimerais partager avec vous sur la table des pains de proposition. Vous savez, l'expression « la table des pains de proposition » est une traduction retenue par Vulgate et Luther. Elle ne représente pas correctement l'idée en hébreu. L'esprit en hébreu est celle-ci. Les pains mis en ordre. Bien rangé. Bien, la table est mise en ordre. Bien rangé. Lisons cela dans Lévitique. Chapitre 24, verset 8. La Bible déclare: chaque jour de sabbat, on rangera ses pains devant l'Éternel. Continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Chaque sabbat, on rangera. Quelle est la morale à retenir pour nous aujourd'hui? D'abord, Dieu est un Dieu d'ordre. Dans sa présence, dans sa sainteté, tout doit être rangé. Placé dans l'ordre. Organisé dans l'ordre. Église. Il nous faut prier. Prier pour que les choses dans l'église se fassent dans l'ordre. Prier pour que notre adoration soit faite dans l'ordre. Priez pour que nos comités se fassent dans l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Malheureusement, beaucoup aiment parler de tout et de rien dans un comité. Priez aussi pour que nos paroles qui sortent de notre bouche soient en ordre et ne blessent personne. Une autre leçon concernant la table des pains de proposition. Nous lisons cela dans Jean, chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le pain,
le pain sans levain. Te pane a été hopu. Attire notre attention sur le Christ. Te ye umenei to tatoman on in ye te metia. Celui qui a dit je suis le pain de vie. O ye te proue. O vau te pane ora. Celui qui alimente. O ye o te fa amu. Celui qui nourrit toutes les nations de la terre. O te fa amu et te tatoar a o te maua o te fenuane. 12 pains. Ahuruma petit pain. 12 pains sur la table. Ahuruma petit pain et iri amur ama. Et chaque pain et mo pane tata itai. Représente donc le Christ. Wa fahu wa hiya et metia. Mais aussi o yatora une tribu. Ho e opu. Il symbolise o te fahu wa hi l'attention de Dieu envers son peuple. Te hi o mait e al tiatua i tonara puputata. Qui est constamment sous son regard. O oia o te rido et puput ataidaru aitana. Autrement dit, Dieu veille quotidiennement sur chacun de ses enfants. Ninhe atotatu eprau te hiotamone tatua in aitana motu. Dieu veille. Te aranei tatua. Il veille sur toi, mon ami. Te aranei tatua inesho ya. Toi qui nous regardes. O oete ihi o mani. Vous savez quoi? Oete oe. Jésus t'aime. Uhere yetu ya. Et il veille sur toi. Et te aranei oya in ya. Nous devons prier, dit Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui ne sommeille point. Nous devons prier, dit Seigneur. Merci parce que tu veilles sur moi. Jour et nuit. Merci. Parce que tu veilles sur ton église. Merci. Parce que tu veilleras encore sur nous. Et peut-être une dernière leçon pour ce matin. Concernant la table des pains de proposition. Après que les pains ont été déposés dans le lieu saint, sur la table, et chaque sabbat, eh bien les pains séjournaient là une semaine. Et le reste des pains était remplacé par des pains frais chaque sabbat. Nous pouvons retirer une leçon pour nous aujourd'hui. Je m'adresse aux prédicateurs dans nos églises. Le fait d'apporter des pains frais chaque sabbat, je m'adresse à toi qui prêches. Prêcher des sermons frais chaque sabbat. Nourrissez les membres d'église avec des messages frais. Ne donnez plus du pain rassis aux membres d'église. Donnez du pain consistant le jour du sabbat. Prêchez Christ. Et seulement Christ. Prêchez sa parole. Église, prions pour nos prédicateurs. Église, prions pour nos pasteurs. Église, prions pour nos anciens. Et que la parole de Dieu soit constamment sur leurs lèvres. À la place de l'ego. Prions pour qu'il puisse nourrir le troupeau de Dieu chaque sabbat. Jusqu'au jour où nous serons au ciel. Et là, Jésus sera notre prédicateur pour l'éternité.
Pour conclure, no te fahopera. Revoyons le parcours du sanctuaire. Hio amuyan etatu ite ea o te tetene. Pour entrer dans le sanctuaire, no te tomo iro te tetene. Nous devons passer par Jésus qui est la porte. E eiatatu ia tomo naroto ia yetu o oiat uputa. Il est la seule porte. O oiat uputa otai. Nous arrivons à l'autel des holocaustes. Taiatu eiatatu. Qui représente l'œuvre de Golgotha. Et là, lorsque nous comprenons ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, nous nous engageons dans l'eau du baptême. Puis une nouvelle vie commence. Cette nouvelle vie doit être nourrie quotidiennement par la parole de Dieu. Représentée par la table des pains, des propositions. Demain, nous parlerons du chandelier. Nous vous invitons encore une fois à être là. Dans l'attente, soyez pleinement bénis. Hope I